Wow! Alors attendez, faut que j'active mon lave-vaisselle. Sinon je vais oublier. Désolé, je suis un petit peu à la bourre. C'est un petit peu au dawa. Demain je me lève. Ok, faut que j'active donc. Bah, l'heure habituelle, parfait. Hop, ok. Allez, ça c'est fait. Alors du coup, j'ai peut-être baissé un peu le son. Alors! Partie inattendue! Parce qu'on a mis des plombes la dernière fois. Le Harley Quinn's Revenge. On va enfin. Ah, cool, oui, salut, Lidl, du coup, cool, t'as le pass sanitaire, très bien. Bon, on va aller voir Kaamelott demain. Attends, j'ai les bras en vrac. La salle, ça m'a dégommé là ce matin. J'ai tiré comme un dingue et je sens tous mes tendons là qui est là, là, ça tire, c'est horrible. C'est pas tant les bras, les muscles qui me font mal, c'est vraiment le côté où là je force sur les tendons, sur les nerfs, sur tout ça. Et du coup, ça fait mal. J'ai très mal, j'ai des douleurs, là, là, vraiment dans les creux des bras là. Parce qu'en fait, t'es tendu comme ça, et puis ah, je me suis fait super mal. J'ai mal aux abdos aussi là. Parce que j'ai soulevé un peu lourd. Bref, alors mettons-nous calmement. Et allons 71% en mode difficile, évidemment. Et du coup, nous allons faire Harley Quinn's Revenge. Mais je veux juste. Ouais, pousse à fond, pousse la fonte. Je veux juste avant ouvrir une petite soluce. Non pas que je veuille tricher. Même si un petit peu quand même. C'est surtout qu'en fait, je sais que j'aimerais bien choper l'entièreté des. Il y a des trucs à ramasser, des ballons à ramasser. J'aimerais bien tous les choper, mais je sais que c'est pète-couille. Parce qu'on peut les louper très facilement et on peut pas revenir en arrière. Et du coup, je voudrais, hop, être sûr de ne pas en oublier. Comme ça, hop. Et puis, let's go. Normalement, le son est déjà en place. Ouais, très bien. Et puis, ben, on va y aller et on va découvrir l'épilogue, la conclusion de Harley Quinn's Revenge. Barbara? Non. Ça fait déjà 2 jours. Je suis inquiète. Vous savez comment il est depuis. Je le trouverai. J'espère vraiment. Harley Quinn prépare une sorte de siège. Qu'est-ce qu'elle trafique? Trouvez Batman et fichez le camp d'ici. Compris? Enfin, Barbara. Vous me connaissez, non? Vous parlez comme. Yes. Le son est ultra décalé? Comment c'est possible ça? Tu m'as laissé pour 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 C'est qui ce gros naze? C'est Robin! Alors je vais juste relancer le truc. Donc c'est le son du jeu qui est décalé? Par rapport à quoi? Et ma voix ça va? Je vais. Hop, normalement. Normalement j'ai relancé le truc donc ça devrait aller. Et c'est cool de jouer Robin. Tu vas mourir ici. Je connais pas les techniques de Robin. Voilà, c'est de ma faute. Bon, là, j'ai un peu fait de la merde. C'est pas grave. En fait, il fallait juste faire une élimination classique, comme un con.
Alors, enquêter sur la disparition de Batman. Il sauvait les agents du GCPD des griffes. J'ai pas eu le temps de lire. Il sauvait les agents du GCPD des griffes de Harley Quinn quand le contact a été perdu. Très bien. Le contact a été perdu. Ok. Donc ça se passe quelques jours après. Alors oui, ça se passe quand exactement? Ça se passe... Donc Arkham City, c'est terminé. Oh, hop, 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 hop. C'est terminé. Ah ouais, il y avait des... Oh putain, il y avait des comics à lire. Je croyais que c'était la semaine prochaine. Ah merde. Mais il y avait des comics à lire. Je les ai pas lus. C'est pas grave. Je les lirai dans mon coin. Ah, j'avais pas dit qu'on les lirait là. Ah mais c'est ça en fait. J'avais dit qu'on les lirait tout de suite. Attendez. Ah putain, mais j'ai pas du tout... Je me suis pas organisé pour... Oh Nick, tant pis hein. Tant pis, je les lirai dans mon coin, je les lirai après. Putain, je m'étais organisé et tout pour pouvoir lire les comics après, mais du coup, je me suis complètement foiré. Je me suis complètement foiré. C'est pas grave. Donc du coup, ça se passe. Donc Arkham City, c'était le 21 décembre. Celui-ci se passe le 5 janvier. Donc on est quand même 2 semaines après environ. Ah putain, je suis deg. Je voulais c'est vrai que les comics, je croyais que j'étais persuadé dans ma tête que c'était après. Et du coup, je m'étais organisé pour pouvoir faire les trucs après, j'avais préparé la tablette et tout. Bon, c'est pas très grave. Par contre, c'est marrant parce que dès le début, il nous montre un truc de prédateur et en fait, on s'en fout complètement. C'est vraiment la fainéantise du truc quoi. Et donc là en fait normalement ouais donc là c'est plutôt le gang par les Queen. Ça fait mal. La ferme sale crétin. Tu as la chance que j'ai besoin de toi plus tard. Je peux passer par là, je peux aussi passer par là-haut. On va plutôt passer par là-haut. Donc Harley Quinn. Hop là. Ça va là le son du jeu? J'ai l'impression Barbara, que ça va. J'ai trouvé les policiers disparus. Quinn les retient. Pas de trace de Bruce? Négatif. Je continue à chercher. Harley a dit aux policiers qu'elle avait une sorte de plan pour eux. Ils sont en sécurité pour l'instant. Soyez prudents. Tout se passera bien. C'est promis. Vous croyez? Il n'est plus le même homme depuis que... Il ne parle même pas de Talia ni du Joker. On l'aidera quand on l'aura trouvé. C'est tout ce qu'on peut faire. En plus là avec la cape sur le... Enfin honnêtement la capuche, je trouve ça trop cool. Ils vont vous tuer. Vraiment? Moi j'en suis pas ici. T'es dingue. Non, je suis en deuil. Alors essaie de me qualifier. Normalement il y a un ballon dans le coin. Donc qu'est-ce qu'il a comme gadget? Bombe collante, shuriken, donc ça c'est l'équivalent des batarangs, j'ai l'explosif d'accord. Ça c'est le coup de pied éclair en fait, c'est le bat griffe, hein, c'est complètement con. Les boucliers par balles, je crois que c'est pas mal. Et je crois qu'on aura des utilisations très précises de ces gadgets. Alors du coup, ouais, ça va être une petite séance. Te découper en morceaux et t'envoyer sous forme de tourte dans un orphelinat, c'est marrant, non? Qu'est-ce que t'en dis, crétin? L'affaire. Bonsoir, Gotham. Ici Bill Bale, en direct du site d'Arkham. Juste l'affrontement entre les Queen et le GCPD en est à son deuxième tour. Je viens d'interroger le commissaire Gordon sur la rumeur selon laquelle Batman aurait... Le problème c'est qu'on n'entend pas ce que dit Harley du coup. T'es dingue. Ton copain n'a eu que ce qu'il méritait. Attends, en fait, j'ai l'impression que... Mais ils font chier là, j'ai envie de recommencer parce que j'entends pas ce qu'elle dit, ça a l'air super important. Allez, on recommence, c'est pas grave. Parce que là, c'est quand même. Enfin, c'est pas très très long, donc c'est pour ça que je me permets, mais c'est important parce que c'est vraiment vraiment l'épilogue quoi, ça conclut l'histoire de Arkham City, donc je me souviens pas de tout, donc voilà. On recommence tout. Bon, c'est pas grave, on recommence tout. Tu m'as laissé pour
Je vais m'installer à fond dans mon canapé. Oula, par contre, il y a mon micro qui va se casser la gueule. Je crois que ça dure. Ouais, ça doit durer une heure à tout péter, hein, donc tranquille. Hein. C'est qui ce gros naze ? On va pouvoir aller faire un peu mieux là. Boum, allez, comme ça c'est fait. Oui, effectivement, ce que tu disais, c'est vrai, c'est que le coup de pied éclair, c'est juste que tu vas vers l'ennemi, là où le bas de griffe, tu les attires à toi. D'accord. La ferme, bande d'idiots. Laissez-moi donc réfléchir. Ah, il me semblait bien que c'était ferme. Barbara, j'ai trouvé les policiers disparus. Quinn les retient. Pas de trace de Bruce ? Négatif. Je continue à chercher. Harley a dit aux policiers qu'elle avait une sorte de plan pour eux. Ils sont en sécurité pour l'instant. Soyez prudent. Tout se passera bien. C'est promis. Vous croyez ? Il n'est plus le même homme depuis que... Il ne parle même pas de Talia ni du Joker. On l'aidera quand on l'aura trouvé. C'est tout ce qu'on peut faire. Le GCPD va débouler ici. Ils vont vous tuer. Vraiment ? Moi, j'en suis pas si sûre. T'es dingue. Non, je suis en deuil. Alors essaie de ne pas l'oublier. Le ballon, il devrait être là, en fait. Ah, il est là, c'est bon. Oh, il est là, regardez. C'est ça, le ballon. On va écouter. Te découper en morceaux et t'envoyer sous forme de tourte dans un orphelinat ? C'est marrant, non ? Qu'est-ce que t'en dis, crétin ? La ferme. Oh, tu ferais bien d'éviter de me parler comme ça. Je souffre de ce qu'on appelle le stress post-traumatique, provoqué par la mort violente d'un être cher. Mon médecin m'a dit que ça pouvait déclencher des accès de culpabilité et de violence extrême complètement incontrôlable. Dommage pour lui. T'es dingue. Ton copain n'a eu que ce qu'il méritait. Quoi ? Est-ce que tu essaies de m'énerver ? Je devrais te tuer pour ça. Je devrais te couper la langue pour mon Joker. Oh, monsieur J, pourquoi m'avoir laissé ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il a les yeux. Bon, en fait, elle a pas dit grand chose, mais c'était qu'on comprend que ouais, qu'elle est triste, quoi. Elle est très triste. Alors, du coup, hop, bam. Il est shuriken par rapport au bas de griffe, enfin, par rapport au batarang. J'ai pas l'impression qu'il y ait de gros changements. Alors, le deuxième, c'est. Ok. La deuxième, c'est un peu plus loin. Alors, on va pas trop se prendre la tête. On va écouter, du coup. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir écouter Vicky Vale. Bonsoir, Gotham. Ici Vicky Vale, en direct du site d'Arkham City. L'affrontement entre Harley Quinn et le GCPD en est à son deuxième jour. Je viens d'interroger le commissaire Gordon sur la rumeur selon laquelle Batman aurait disparu. La situation ici est instable. Comme vous pouvez le voir, le GCPD fait son mieux pour garder la zone sous contrôle. Commissaire, la rumeur court que Batman est à Arkham City. Si je ne me trompe pas, Miss Vale, Batman n'est pas sous ma juridiction. Vraiment ? Vous dites à Gotham que vous n'avez rien à voir avec ses activités ? Et qu'en est-il du corps du Joker ? Pouvez-vous nous dire où il est ? Ça suffit. Faites en sorte que ces journalistes dégagent de ma vue. On raconte qu'il s'agit d'une sorte de vengeance suite à la mort du Joker il y a deux semaines. Arkham City est une fois de plus bouclé. Si Batman se trouve ici, j'espère qu'il va bien. D'après ce que j'ai vu, Arkham City est un endroit où il faut éviter d'être coincé. C'était Vicky Vale. À bientôt pour d'autres informations. Ah. J'arrive. Hop. Alors du coup, le deuxième. Ok.
Bon, on a entendu Vicky Vale, c'était rigolo, sympathique, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Elle est où la sortie de tout ce bordel là? Il y a un truc. Comment on se dégage de... Ah bah là il y a une porte. Ah il y avait un automate de... Nouvelle de Harley? Non, elle doit sûrement chialer. Vivement qu'elle se remette de sa mort. Est-ce qu'on a des... Non, il y a rien du tout. Ok. Je me demandais s'il y avait des trucs de l'homme mystère, mais du coup bah non. On prend de la relève. Peut-être. J'aimerais bien voir ça. Tu m'en crois pas capable? Ah ouais. Et c'est quoi ton truc? Freeze est un savant taré armé d'un flingue givrant, double face à la tronche à moitié cramée. Et toi, t'as quoi? Je trouverai quelque chose. Ouais, c'est ça. Ton meilleur atout, c'est la famille que t'as butée le jour de Thanksgiving parce que ta mère avait brûlé la dinde et que t'avais promis de lui en rapporter une autre. Dindeman? Ça me plaît. Tu vas la fermer ou est-ce que tu veux que je te fasse la même chose? Quoi de neuf, Dindeman? Fermez-la, je rigole pas. Ils sont trop... Relax, c'était pas méchant. Les mouvements de Robin, ils sont vraiment plus décousus. Hein. J'ai mis mon bâton dans le cul, mon gars. Ah, j'ai un gel explosif, donc c'est cool. Donc là, je crois qu'il y a un ballon. Il est juste là. Hop, le prochain est où? Ok, donc c'est un peu plus loin. Là, on n'a pas le choix. On va aller par là. Ah, il fait le petit R là. Clac, clac. Robin se la pète à faire tenir son bâton dans tous les sens. Ouais, mais du coup, en plus, ce qui est chiant avec Robin, c'est que du coup, c'est difficile d'anticiper ses mouvements. Enfin, il est un peu comme Catwoman, en fait. Il est un peu imprévisible. Alors, je crois que ils sont pas si faciles à trouver que ça, ces putains de ballons. Hein. Là, voilà. Comment peut-on savoir que ce plan pour se venger on écoute un peu à nous faire tous crever aussi, hein? Ce sera pas la première fois que quelqu'un tenterait un truc comme ça. Hey, c'est pas faux. Nous aussi on devrait faire un plan. Faudrait qu'on voit comment se tirer d'ici si ça tourne mal. Si ça tourne mal, le Joker est mort, Harley est dingue et on est coincé dans ce trou. Je vois pas comment ça pourrait être pire. Ça peut toujours. Allez, let's go, boum boum. J'ai pas regardé le prochain où il est là, parce qu'on... Voilà, ils vont causer un petit peu. Le petit copain de Batman. J'ai eu trois ballons, hein. Yes. Man qui vient sauver le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Il te manque? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te dégonfles ou quoi? Ok, let's go. Là, rapide. J'ai appuyé sur triangle. Je suis un peu deck quand même. Putain! J'aime pas trop Robin. Enfin, il est cool à jouer en tant qu'histoire. Parce que c'est trop bien de jouer un autre personnage que Batman. Et c'est plus stylé que Catwoman. Vraiment, je préfère largement jouer. Pourquoi il y a deux accès là? Chelou ça. On va aller voir là. Mais je préfère largement jouer Robin parce qu'il est plus mobile, enfin il est plus proche de Batman mais tout en étant différent. C'est un peu un mélange entre Batman et Catwoman en fait, Robin. Ah, on pouvait passer là, ça veut dire. Ok. Mais «
Mais, c'est moins. Mais en combat, ça vaut pas Batman, quoi. Pour l'instant, je crois que dans Arkham Knight, c'est mieux, hein, les combats. Il y a deux persos plus sympas à jouer que. Enfin, il y a des persos sympas, quoi. Alors que là, c'est pas ouf. J'aime trop jouer Redwood, il est très similaire à Nightwing pour le combat et pour les Fast Predator, il est très différent. Ouais, je me souviens de Redwood, j'avais bien aimé, ouais. J'aurais tué ce crétin, tout ira bien. Ensuite, je pourrais peut-être venir te voir. Non, rien. Non, je suis juste amical, j'essaie d'aider. Ouais, on voit qu'Harley Quinn a repris le flambeau derrière le Joker sur le gang. Alors là, ouais, en fait, il nous montre comment utiliser les gadgets. Même si au final, on s'en servira pas. C'est pas ça? Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Ah putain, faut passer sur le côté là, mais quel débile! J'avais pas compris. Et au final, on a. Je crois qu'on s'en sert très très peu des gadgets. Là, il faut la bombe collante. C'est pas ça qu'il faut? Ah non, il faut le bouclier. Attends. Ah oui, si, non, c'était ça. Marrant qu'il n'y ait pas eu d'effet sur le bouclier directement. Mec super discret. Putain, fils de pute! Hop, celui-là est assez simple. On doit aller où là? Ok, il y a trois types là. Ah, il est là-haut le... Bouge-toi un peu. Tranquille. Et hop. Alors dans Arkham Knight, t'as régulièrement des persos différents à jouer. Et surtout t'as des phases combat et prédateurs avec deux persos, c'était classe. Je me souviens plus de tout justement, bon, on redécouvrira ça. Arkham Knight, c'est le seul que j'ai fait qu'une fois. Attends, là on est bien au ballon 5, hein. Ouais, 5, ok. Le prochain... Ok. Le prochain, et après on se prend plus la tête. Pendant un petit moment, on se prendra plus la tête. Alors, t'as fait chier quand même, on a loupé les comics. Bon, bah, c'est pas grave, je les lirai dans mon coin. Alors là, je crois qu'il faut retourner sur le truc normal. En fait, moi, la première fois que j'ai fait le jeu, j'avais loupé des ballons ici. Et tu peux plus y retourner après. Du coup, j'avais dû refaire le jeu. Enfin, le refaire. Après, c'est pas long, hein. Vous verrez, on a déjà fait une bonne partie, mais... Enfin, on est qu'au début, mais c'est vraiment pas long. Mais du coup, j'ai dû tout me retaper, quoi, pour pouvoir faire ces putains de ballons, là. Alors, attends, faut aller où?
Ah non, faut aller là en fait. Là par exemple, celui-ci, bah si tu le fais pas, la sortie elle est par là, hein, donc tu peux passer complètement à côté. Et surtout pas savoir que t'en as. Ici t'en as combien? 6, 7? T'en as 6. Si tu le fais pas, tu le sais pas. Hein. Allez, ramasse-la! Pas question, mec! Ce truc est dangereux! T'as vu ce qu'il a fait? Quoi? C'est une ceinture? Non, c'est la ceinture de Batman! Waouh! Et alors? Il y a la Bat-ceinture! C'est une ceinture! Quoi? T'as peur d'un pauvre petit choc électrique? Non, fais pas ça! Ah ouais, elle est là, c'est ça qui est au sol là! Pas du tout! Je le savais! Le dernier qui a touché cette ceinture a reçu une décharge de 50 000 volts! La ferme! Toi, ramasse-la! Pas question! Ce truc est dangereux! On n'a pas de, ouais, de truc pour leur faire, pour leur balancer à la gueule. Alors du coup on va faire une petite attaque tombée et puis c'est parti hein. Putain, par contre le combat là il... Attends, on passe de combat où il y a 3 types à, des, à 3 ou 4 types max à un combat où il y en a 15. Ah putain, je l'ai vu trop tard. Ah, oh, j'ai appuyé là, mais un peu trop tard, peut-être, ouais. Je vais les couper en morceaux. Oh putain, j'ai. C'est pas lui que je visais, mais. Je vais arracher ta foutue tête et marquer un. Putain, par contre, là, je vois plus rien. Je ne vois plus rien. Après c'est extrêmement facile parce que je sais pas si ça tient compte de ton niveau dans le jeu principal, mais comme on est large niveau max, c'est très facile. Tranquille. Ouais, il y en a 9, j'avoue, j'ai pas compté. Tim, ça fait au moins plus de 2 fois plus. Vous hein. L'avez retrouvé? Ah, salut Manu, du coup. Bien perdu, très mal acquis. Contentez-vous de couvrir ce site. Je ne veux pas que cette cinglée sorte d'ici, c'est compris? Harley Quinn? Comment vous avez deviné? Ces sbires ont coincé mes gars et les ont traînés jusqu'à la scierie. Impossible d'approcher. Je m'en occupe. Vraiment? Vous savez qu'elle vous en veut. C'est peut-être un piège. Repliez-vous et essayez de protéger tout le monde. Je vais m'occuper du reste. Ok. Ah non, de ce que j'ai compris, il y en a un juste au-dessus. Hop là. On a un petit... Ah ouais, c'est vraiment cantonné à la... à toute la zone industrielle. Toute la part, toute la zone du Joker, en fait. Ok. Donc on a tout ça. Ok, ok. Jim Gordon dit autre chose. Quand cette affaire sera réglée, il faudra qu'on parle d'un autre problème. Vous vous souvenez? Quel autre problème? Le Joker? En fait, ah ouais, elle a pété le pont. Je sais pas si il était peut-être déjà pété, hein, je sais plus. Et du coup, elle a fait quoi? Harley. Ouais, ok, elle a mis son truc. Laissez-nous tranquille. Dégagez les flics. Tout ça, quoi. C'est plutôt joyeux. Là, ils ont dit. Alors là, il faut que j'aille où? Parce que du coup, j'essaie de choper les ballons là. L'autre ballon, il est sur un des gros piliers là. Ah ouais, par contre, non, mais il faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Il y a des putains de types qui veulent me tirer dessus. Donc là, il est où là? Il est là-bas. Bon, lui, ça va. Par contre, du coup, il y a un ballon là. Bon, on va le faire tout de suite. On va faire l'autre là-dessus. Il y a des problèmes d'incontinence, il veut pas le dire en public, donc il a dit vous savez d'un ton complice.
écoute, parfois j'ai pas compris ce qu'il avait. Alors, il y a un ballon quelque part. Ah, c'est ça, c'est là-bas là. Je pense que c'est celui-là là-bas. Je vais regarder juste sur le. Ah, j'ai bientôt plus de batterie, putain. Along few birds. Quoi? Eastern, c'est l'est, c'est par là. Ouais, c'est ça. Ok. Alors Manu, je passe rapide, j'étais en leurre, je devais jouer avec une pote qui me réclame depuis une semaine, ma meuf mangeait chez ses parents. Du coup je me dis c'est bon, je lance le jeu, je me connecte, hop, elle rentre. Ah mais y a pas de soucis, c'est déjà super cool d'être passé hein. J'ai aucun problème. Je suis encore dans ce trou et je me gêne toujours les missions. Sinon, ça va pas être très très long. Alors là, il y en a un là. Et il y en a un autre là. Voilà, comme ça. Boum, boum. Ferris wheel. Ensuite, il y a Sionis, sign of the roof. Truc de l'usine Sionis. Oh, c'est qu'il y en a plusieurs. Ah, c'est là, je pense. Joker's Funland, sign. Ok, donc il y a un truc. Joker Funland. Bloqué par un van, mais c'est ça en fait. Là, mais ils sont beaucoup. Oh, les bâtards. Ah non, c'est peut-être là aussi. Ah, là. Ok. Alors, celui-là, ok. Celui-là, c'est celui qu'on a vu. Je vais pas avoir assez de batterie, faut que je branche mon téléphone. Une usine sioniste. Ah merci pour le follow Vitality Shinobi. C'est super cool. Ouais non mais Manu, je vois effectivement hein, que t'es là quasi à chaque fois. Je te vois dans la liste des gens. Mais c'est super cool. Hein, je te le dis pas assez, mais c'est vraiment super sympa. c'est une usine de création de juifs. Attendez, j'ai juste cherché un câble pour mon téléphone. Gros bidon. Oh merde. Oh, putain, j'ai pas le truc USB. C'est de l'USB-C. Ah si, je crois que j'ai un truc USB-C. Yes. Ah putain, c'est pas de l'USB-C. Ah les putes. Mon truc USB-C, il est pris pour mes... Ah les salopes. Ouais, non mais t'as raison, t'as raison. Comment je fais moi? J'ai pas... En fait, je suis en USB-C partout maintenant, du coup, c'est la galère. Oh. Putain. Pourquoi j'ai pas de putain d'USB-C en plus sur cette merde? Putain, c'est pas de l'USB-C, c'est quoi ça? Peut-être que... Putain, peut-être que j'ai un truc. Ah, putain. J'ai pas un USB-C USB là. Oh putain si. J'ai un USB-C USB, j'arrive. Ouh. Ah. USB-C, USB. Tac. Hop, on va pouvoir le brancher. Ah, oh, ça fait du bien. Alors. Sauf quand j'avais fait Days Gone en journée le week-end. Ouais, effectivement, mais ça, c'était cet hiver. C'était quand j'étais en vacances surtout, je crois. Non, j'étais pas en vacances. Je sais plus. Ah non, mais oui, non, c'était le week-end, donc je pouvais, sans problème. Ouais, non, il n'y avait pas de soucis, c'est pour ça. Là,
En ce moment, j'ai plus le temps du tout pour streamer la journée et tout ça. Ça, c'était quand j'étais vraiment motivé et tout. Là, j'ai un peu de mal en ce moment. Surtout que je joue quasi. En fait, à part quand je suis en stream, je joue plus aux jeux en dehors. Je me suis arrêté sur. J'étais en train de faire Assassin's Creed Odyssey et j'ai complètement stoppé. Parce que, en fait, je fais plein de trucs à côté. Là, il y a le cinéma qui a repris, donc je fais quasi 2 ou 3 fois par semaine au ciné. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, de comics surtout. Mon chien, elle est sortie. En fait, depuis que le confinement s'est arrêté, ma vie, elle a. Pah! Je fais plein de trucs et j'arrive pas à m'arrêter. Et c'est une horreur. Ouais, c'est. Bah oui, non, mais clairement, en fait, j'étais. En fait, à l'époque de Days Gone, donc c'était. En fait, je faisais juste ma partie à moi. Et sauf que je me disais, bah, plutôt que de jouer tout seul comme un gland devant ma télé, autant que je stream en même temps. Moi, c'était cool. Je m'en foutais, en fait. Je pouvais streamer en même temps, il n'y avait pas de problème. Et du coup. Mais du coup, actuellement, c'est pas le cas parce que je ne joue plus en dehors. Si je joue en dehors encore. Peut-être. Ah, si! Peut-être que je streamerai un peu plus. J'ai des vacances là dans 2-3 semaines. Et du coup, je streamerai peut-être un peu plus parce que je vais peindre. Il faut absolument que je peigne. Et donc peut-être que je me ferai des sessions toute la journée à peindre. Alors du coup, ce sera de la peinture. Ce sera pas aussi fun que jeu vidéo. Mais moi, il faut que je me motive. Il faut que je peigne absolument. Faut que je sois à fond. Sinon, ça va pas le faire. Alors attendez, je cherche juste mon truc. Peindre mes Warhammer, comme c'est ce que je fais en ce moment le mercredi. The Tower with the Tricorner Naval Sign. Tricorner Naval Sign. Un tricorne naval? C'est quoi ça? Ah bah Tricorner Naval, bah voilà, c'est juste une. Nutcracker Statue. Du coup, Nutcracker statue. Ok, il faut que j'aille là-bas. Et donc, du coup, ouais, en fait, les streams le mercredi, je m'en sers surtout pour me motiver à faire les trucs que j'ai en cours, qu'il faut absolument que je fasse. Oh putain, le bâtard! Ah, j'ai cru que je l'avais fait passer par-dessus. Bon. Et puis là, ouais, c'est un peu chaud. Enfin, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de trucs à faire. Ma vie sociale est relativement remplie depuis que je suis célibataire, étrangement. Hop. Hop, ça c'est bon. Ah, je galère. Alors, West of the Steel Mill. West of the Steel Mill. Mill, c'est quoi? C'est quoi Mill? De toute façon, ils ont dit West. West, c'est par là. Steel, c'est l'acier. Steel Mill, c'est ça. Alors peut-être c'est l'usine, tout simplement. Alors, ce serait dans le coin, peut-être là-bas. On les voit pas sur le radar en plus, ces enfoirés. Attends. Oh putain, pourquoi mon portable il s'est coupé? Oh la salope! Mais non, mais pourquoi tu recharges pas? Mais c'est quoi ce délire? Putain! Pourquoi il recharge pas? Bon, c'est pas grave, on va aller. Ah putain, faut que je retrouve le même lien du coup. Batman, Arkham City, Harley Quinn, Balloon. C'est peut-être celui-là, je sais plus du coup. J'étais sur un. Ah si, c'est celui-là, bah, j'ai retrouvé direct. Putain. Je suis désolé, c'est un peu la galère, j'avais pas prévu ça. Alors, West of the Steel Mill. Alors, ça ressemble un peu à ça, mais.
Mais il y a une sorte de truc en brique. Ah putain. Yes. Alors ça ressemble pas du tout à ça. Putain, franchement je... Il y a une sorte de... Ah bah... oh, mais putain. Je regarde pas mon écran, du coup je fais de la merde. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être là-bas, là? C'est possible, je sais pas trop. Je sais pas c'est quoi, 1000 MI2L, c'est quoi? Jamais, les poulets. J'espère que Harley va bien. Ah, attends, y'a mon chien qui a trouvé une bouteille vide. Il va faire du boucan, l'enfoiré. Et y'a une grille aussi. Oh, ça ressemble à ça. Ah non. Y'a un corps de Nutcracker, de casse-noisette. Bon, ça, c'est un type. Putain, je sais pas du tout où c'est. Bah, et sinon, il y a une carte. Je vais aller voir la carte plutôt, parce que là, je suis un peu paumé. Shipyard, Industrial District. J'en suis au combien, là? J'en suis au 14. Alors attendez, bah pourtant j'y suis là. Ah non, attends. Le truc est là, comme ça, tac tac tac. Bah si, pourtant c'est juste là. Moi j'ai pas le droit de buter un ces poulets, moi. Alors. C'est dans le coin. Ils mettent que c'est entre les... Attends. Ils mettent vraiment que... Alors... C'est genre là, hein. Est-ce qu'on peut pas en finir vite fait, bien fait, et se barrer d'Arkham City? Je me l'échelle ici. Putain, il est là. Je le prenais à l'envers. Ok, on va aller un peu plus vite avec le truc. Alors du coup, le 16, il est où? Il est sur la gauche, on va y aller tout de suite. Et ce qui est chiant aussi dans Harley Quinn's Revenge, c'est qu'au final, on joue très très peu Robin. Et ça, je trouve ça un peu pourri en fait, j'aurais bien aimé le jouer plus. Bon, du coup, je me suis un peu paumé, là. Ah, bah, j'ai mis la carte de côté, comme ça. Je me suis un petit peu paumé. Alors... 13, 14... Le 15. Le 15, il est au sol. South. Donc là, on est au South. Oh, putain. Attends, je vais te choper, toi. Ouh là là. Ah, attends, c'est vers l'ouest. Mais merde. To burn in hell, dump across. Alors, il y a une espèce de grille. Avec... Pourtant, on est bien au sud du truc, là, ouais. Il y a une espèce de grille avec marqué burn in hell. Ah, elle est là. C'est ça, la grille. Sauf que là, on est de l'autre côté. Et le truc est où? Ah, salope. Putain, ah, mais il est là. Ok. Alors après, attends. Hop, hop, hop. Ok, on est toujours là.
One of the two on top of the steel mill. Donc il y a. Ok, donc faut remonter. Et il y a deux nutcrackers. Tiens, il est là, on le voit. Attends, c'est pas ça? Non, je crois que c'est pas ça. Je crois que c'est pas ça. Il y a deux nutcrackers qui se tendent la main. Et ça, c'en est un autre. Alors attendez. Ça a l'air d'être. C'est peut-être celui qui est là, là. Ah, c'est celui-là. Ok. Joker's Funhouse. C'est au quoi? C'est au 17 au... Non, on est où là? Au 17 ou 18? 17. Et donc là, c'est là, faut redescendre. Oh non, mais je crois pas du tout que ce soit là. Ça, c'est le truc qui traverse. Il y a un truc qui traverse l'usine de part en part. Ah putain! Foiré. Il y a un truc qui traverse l'usine. Alors, je suis désolé, je vois plus le chat du coup. Parce que j'ai. Je sais pas pourquoi mon téléphone, il. Bah, le truc USB, ça n'a pas marché. Ça n'a pas chargé. Et il me semble qu'il y a un truc qui traverse complètement. Ah, c'est là. Et là, c'est où? Ouais, le ballon, il est dedans. Il y a des mecs ou pas? Ah, dégueulasse, putain. Ok, on continue. 18. Donc là, c'est tout en haut. Donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Ok, et donc là, normalement, on est à 18. Parfait. Et après, il faut aller eh ben, dans l'usine, tout simplement. Dans l'usine, tout simplement. Je regarde juste... Hop. Funhouse, c'est une fête foraine, oui, une maison fantôme. Oui, non, mais ça, c'est pas Funhouse, moi je m'en fous de Funhouse. C'était 1000 que je cherchais, mais 1000 ça doit être usine ou un truc comme ça. Là, on ressort par là, on a tout fait péter dans Arkham. Dans Arkham City, hop, et on rentre par là. Et là, on a déjà fait, ouais, les deux tiers du, les deux tiers du truc, hein, c'est vraiment très très court. Je crois qu'après il y a encore une dernière phase avec Robin et c'est fini, hein. Il y a rien d'autre. Hein. En fait, ce qui rend fou, c'est que c'est très court, mais surtout, bah, il se passe pas grand chose. On arrive avec Robin, on voit que Batman a perdu sa ceinture. On joue avec Batman, on a vaguement une zone dehors, mais il n'y a rien à faire, c'est ça, il n'y a même pas. Là, on n'est pas obligé de, on est pas obligé de combattre qui que ce soit là, de ce qu'on a fait. On est rentré dans, on est juste parti d'un point du pont. Il fallait rentrer dans l'usine, mais il n'y a pas d'ennemis qui te bloquent. Tu peux très bien les esquiver. C'est pour ça que c'est un peu bâclé, je trouve, comme les DLC de Arkham Knight sont bien mieux, avec des histoires beaucoup plus intéressantes, même s'ils sont très courts aussi. Parfois, c'est vraiment une demi-heure. Hein. Mais ça raconte quelque chose. Là, ça raconte quelque chose, mais c'est très très court. Et enfin, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de difficulté. Tu vois, là, on est parti d'un point A à un point B, et là, on a fait déjà les deux tiers du truc. Alors, look it up, then look to his white. Voilà un policier. Pitié, vous n'avez pas à faire ça. Bien sûr. Batman est là. Batman est là. Je me suis auto-tué. Allez, go. Play avec Batman, c'est même pas la peine, je vais les défoncer. En fait, je pensais qu'il allait tirer trop vite. Enfin, qu'il allait tirer plus vite que ça, et du coup, je suis allé un petit peu vite dans mon combo. C'est pas grave. Ah, ça suffit là, hein.
Ah mais fils de ta mère là. Oh là là, mais je suis. Mais qu'est-ce qu'il a fait là? En plus il me bug à moitié là, il a fait un truc bizarre. Mais putain, mais pourquoi le... Franchement ridicule. Voilà, boum. J'ai fait vraiment... c'est pas bien là, j'ai fait du caca. Faut pas lancer le batarangue là pour le faire. Non, il faut sauter dessus. Je peux te décrocher, comment je fais? Ah, faut que je touche à ça. Ok. Alors, ça on s'en fout, cette map n'a plus de raison d'être. Monsieur le policier. C'est fini. Ah, je suis content de vous voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, salut Manu du coup. On nous a piégés. Ils nous ont sortis de la Syrie et ils se sont déchaînés sur nous. Après, ces ordures ont embarqué les autres et ils m'ont amené ici. Cachez-vous. Cachez-vous. Ça va? Vous ne voulez pas parler? Pas de problème. J'attendrai ici. Versailles et Dark Knight sont cool, c'est toujours cinématique, combat, cinématique, prédateur, cinématique, boss de fin, cinématique, ouais c'est ça, c'est très court et assez prévisible, c'est dommage, parce que du coup t'auras envie de découvrir un peu plus les personnes. C'est, en fait je trouve ça dommage dans les DLC Dark Knight, c'est que ils développent des personnages, il faut faire quoi là? Ils développent des personnages, mais ils en font presque rien. Et c'est dommage, t'aurais envie de les jouer dans l'aventure, de faire des coupures. T'aurais même envie de pas jouer forcément. Putain, ça, mais ça cherche pas du tout en fait. T'aurais envie de ne pas forcément jouer avec Batman et de passer une demi-heure avec un autre perso de temps en temps et ce serait hyper fun. C'est ce qu'ils vont faire un petit peu avec Gotham Knight en fait. Enfin, c'est un peu ce principe. Ok, donc c'est pas du tout là encore. Faut aller où? Par là. Death Ride. Ah ça, il est polémique ce stream, toujours. Enculé d'enfoiré de fils de pute de ta mère, la chienne, la salope. Voilà. Comme ça au moins c'est fait. Ouais, Gotham Knight, putain, ça va être trop bien, Gotham Knight, j'ai trop hâte. C'est pas prêt du coup. De toute façon, il me faut la PS5 avant la fin de l'année, j'ai pas le choix, sinon je perds mes chèques cadeaux. Donc je n'ai pas le choix, il me faut la PS5 avant la fin de l'année. J'ai plein de chèques cadeaux à dépenser pour ça. Faut faire quoi là? C'est pas ça qu'il faut faire. Je comprends pas où faut aller. J'ai pas écouté. Merci. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Salut l'ange. Ça faisait longtemps, c'est cool que tu passes. Ça me fait plaisir. Un peu d'aide pour le rappel. Ah ouais? Quoi? Il y aura un truc là, c'est de là que je viens en fait. C'est ça? Non, il y a autre chose. Ouais, effectivement, on est sur la fin, on fait Harley Quinn Revenge. Mais attends, ce serait là du coup? On sait rien, je me souviens plus. Ah bah tiens, à cause. Oh. Un lit. Ah. Il est négatif. Parce qu'il y avait un test, on pouvait trouver un test de, on l'a vu, hein, mais un test de grossesse positif dans Arkham City. Et là, du coup, ça confirme juste que il est négatif en fait. Hein. Il n'y aura pas de bébé Joker. Par contre, elle a maquillé un bébé Joker. Elle a maquillé Scarface en bébé Joker, c'est trop marrant. Queen s'est enfuie du centre de détention provisoire il y a 3 jours. Il semblerait qu'elle se trouve à présent juste derrière moi. À vous les studios. À toi la studio. Alors, en fait, faut juste se barrer par là? Non, c'est. Ce serait ça? Faut juste sortir en fait. Ok.
Non, non, c'était la première. Ah ouais, non, fallait juste sortir en fait. Il remonte à loin ce DLC, mais je trouve ça il est un peu bidon. Réfléchis un peu. Ok, allez, go. Quelqu'un nous écouter à travers un de ses foutus micros, ou pire. Merde. Ah putain. Ah là 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 là. Je fais de la merde. C'est pas ça que je voulais faire. Je me suis trompé. C'est pas grave, on va juste lui éclater ça. Je suis gouré de touches, je sais plus c'est quoi. Je sais plus c'est quoi. La touche pour péter les armes, j'ai oublié. Enfin, le combo pour péter les armes, j'ai complètement zappé. C'est pas très grave. Ok, bon, il s'est fait shooter ici. Je parlais des policiers disparus. S'ils étaient ici, je peux certainement repérer des pistes. À toutes les unités, ici Gordon. C'est une radio de la police. Je dois analyser la scène. Je sens appartir aux policiers. Je dois le suivre pour voir où ils l'ont emmené. J'ai vraiment hâte de partir. Bonne fois pour toutes. On va esquiver les mecs, hein, on s'en a rien à foutre. Voilà, on a retrouvé la piste, elle est là. C'est Batman. Boum. T'avais raison, Batman est là. Putain, mais c'est quoi le combo pour... Oh, mais nique ta mère. Ah, mais pourquoi il veut pas le... Voilà. J'ai... Putain, c'est carré et triangle. Ah ouais, non, mais c'est carré triangle, c'est ça. Je sais pas, le réflexe ne me venait pas. Ah, oh, j'aurais dû le tuer directement au lieu de m'amuser. La dernière fois que tu as joué, c'était au premier confinement. T'as déjà zappé la moitié, aucun souvenir des DLC. Même Arkham Knight que t'as fini à 120%. Bah, l'intérêt de la fin d'Arkham Knight, même si là j'ai vite ton spoiler, mais c'est qu'on a une fin alternative, quoi. Mais Arkham Knight, ouais, non, mais il est chiant à mort à terminer. Mais on va le faire, hein, dans ce stream. Je vais le refaire plutôt. Enfin, à moins que... Je verrai. Parce que j'ai pas envie non plus que ça prenne trop de temps. Ok, ça passe de l'autre côté. C'est tellement facile de les zapper en fait. Qu'est-ce qu'on fout là ? À garder ce putain de boîtier ? Je croyais que ce coin était secret. Qui viendrait par ici de toute façon ? Batman ? C'est ça. Ce truc était pas censé être impossible à pirater. De toute façon, depuis que le Joker est mort, on l'a presque pas vu. Il s'en sûrement combat. Ouais, ça s'oublie assez facilement. Tu crois qu'il a tué le Joker ? Non, c'est pas son style. Les gens changent. C'était pas vraiment des potes. Pas faux. Mais ça dit pas ce qu'on fait ici à garder ce foutu interrupteur pour Queen. Je me dis qu'on fait ça pour pas qu'elle nous mette une balle dans la tête. Ou pire. T'as pas tort. Alors attendez 30 secondes. J'ai un message à répondre avant. Question de commercial. Désolé.
Bah, et puis là, enfin, tu dis ouais qu'ils sont beaux, mais en fait c'est pire que ça, c'est que là c'est la version PS. Je sais pas si t'as fait la version PS4 ou la version PS3. Déjà sur PS3 c'était beau, mais je trouve que la version PS4 elle est super belle quoi. Ils ont vraiment fait un. Et elle, pourtant la version elle a été hyper critiquée, mais moi je trouve que. Alors il y a toujours les petits défauts de l'Unreal Engine, à savoir de la brillance, des trucs comme ça, mais le jeu il est encore beau de ouf quoi. Ils ont fait un boulot sur les textures, mais de malade. Et là, je trouve que cette version du jeu, la version PS4, elle a été extrêmement critiquée, mais à tort en fait. Ils n'ont pas compris le but de la compilation. Alors que les mecs, ils ont fait vraiment un boulot de dingue. Et je trouve que les critiques sont mauvaises, mais que les mecs, ils ont pas critiqué ce qu'il fallait. Pour moi, les critiques, enfin, je pense à jeuxvideo.com, ils ont fait de la merde. Ils n'ont pas compris la différence, enfin, ce qu'était ce remake. Et je suis désolé, mais le remake, il est très très bien. Et du coup, oui, la version PC, moi je les ai fait sur PC aussi, hein, je les ai sur PC, et sur PC c'était effectivement extrêmement beau, beaucoup plus que sur PS3 d'ailleurs. La version PS4, elle est différente parce que les textures ne sont pas les mêmes. Ils ont modifié toutes les textures, notamment sur les personnages, etc. C'est-à-dire qu'il y a même des bouts des persos où le design est légèrement différent de l'ancienne version. C'est autre chose, c'est pas... Je dirais pas que c'est aussi beau que la version PC. C'est autre chose. C'est pas le même. Il y a des trucs différents. Voilà, il y a des trucs différents. En tout cas, voilà, cette version PS4, elle ne dénote pas du tout, je trouve, avec la version PS3 de l'époque. Ça marche très bien, je trouve. Franchir cette porte et ne t'avise pas de mentir. Je le saurais. Bon sang, Harley a donné des cartes codées à des gens de confiance. Il faut 3 codes pour entrer, pitié. Je te dirai où ils sont, mais ne me fais pas de mal. Je ferai de mon mieux. Ok, faut interroger 3 sbires. Putain, ça fait chier cette... Il faut absolument, parce que sinon je vais faire que de me couper. Avec quoi je peux... Eh mais attends, je suis con, plutôt que de le brancher là, je peux le brancher direct en super speed, en USB super speed, ça va peut-être mieux marcher. Parce que là, je le branchais sur le USB, mais qui normalement est super speed aussi, mais peut-être qu'en USB ça perd un peu. Pourtant, je comprends pas. Je sais pas pourquoi je galère à recharger... Il faut trouver juste des sbires de Harley. C'est les mecs en blanc là. Voilà, il y a des mecs. Là ils sont tous bleus. Là ils sont tous rouges. Ah là, il y en a un. Ah ok, ah là il t'oblige à faire des petites phases prédateurs. Mais c'est con, tu vois, tu dis ça. Pourquoi on le fait pas avec Robin, ça? Ça aurait été plus sympa quand même, non? Enfin, je sais pas, je trouve. J'aurais largement préféré faire ce genre de truc avec Robin. C'est ce type qui a le code. Oh putain, mais nique ta mère. Jusqu'à ce qu'il me dise ce que je veux savoir. Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi mon projet là-dedans, hein? Quel est mon but? En fait, ça a complètement... Putain, mais nique-toi! J'ai envie de recommencer. Bon, je vais les laisser me tuer. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait n'importe quoi. Ça n'a pas du tout marché. Je me suis fait avoir.
quoi, non, mais là j'ai fait de la merde. En plus, j'ai mal partout là. Puis c'est con, mais ça fait. En fait, je fais pas exprès de faire de la merde. Je fais juste. Mais je relance. Je relance un petit peu aisément. Parce que je sais qu'on a le temps et que là c'est bientôt fini et que bon. Il est toujours là-bas, ouais, nickel. Je vais essayer de pas faire de la merde. En fait, je m'en fous un petit peu de recommencer. On n'est pas pressé. Jamais aimer les poulets. J'espère que Harley va bien les plumer. Hop, on va faire le tour par là. C'est ce type qui a le code. Je dois absolument l'épargner jusqu'à ce qu'il me dise ce que je veux savoir. Donc là, en plus, ça fait partie de l'histoire de devoir sélectionner un mec. Alors, je crois que dans le jeu principal, il n'y a pas eu de cas comme ça. De cas vraiment comme ça, où il fallait absolument sélectionner un type. Sinon ça marchait plus du tout. Bon, vous faites un truc là, vous vous barrez. Non, vous vous croisez, bande de bâtards. Ces flics doivent mourir. Mais ah, niquez-vous, vous me cassez les couilles. Voilà, allez, c'est bon, ça me casse les couilles. C'est bon. Le code. Ah oui, c'est. Ouais, mais c'était chiant, Catwoman. Le voilà. Pitié, je veux pas de problème. Trop tard. Ça fait un code. Ah, mais en fait, ils sont notés sur la carte. Ok, là faut juste choper les mecs. Parce qu'ils sont bien entourés. Attends, mon portable il commence tout juste à charger là. Il est à 0%. Mais c'est mieux que rien du tout. C'est abusé là. Je sais pas pourquoi il galère autant. Et Harley, pute les poulets, tirons. Pourtant, il est branché mon portable. Je sais pas pourquoi. C'est le câble qui est pourri peut-être. Pourtant, le câble c'est un câble. Je crois que c'est un câble officiel Samsung. C'est bizarre quand même. Qui galère autant à se charger. Allez, let's go, boum. On peut pas juste tuer les flics et se barrer d'ici. Donne-moi le code. Ouais, ouais, pas de problème. Tu vois, je fais ce que tu veux. Mais ça, je n'en ai jamais douté. Encore un code, et je pourrais infiltrer la sécurité de Harley Quinn. Ok, après c'est en face, on va aller choper l'autre. Désolé, du coup je fais des petites coupures. Mais non, c'est pas Batman, nique ta mère. Batman il est cané là, laisse-le tranquille. C'est vrai que je peux faire ça aussi plutôt que de me casser les couilles. Que je fous ici. C'est pas lui qu'il faut taper. Allez hop, ça dégage. Le code. Bon, vite. Ça c'était un peu sympa, mais pourquoi on le fait? C'est ça en fait. Voilà. Bonne nuit.
Ça va bon, ça marche? Ok, j'avais complètement planté. Ah oui, mais en fait, c'est ça, c'est que mon stream, il a sauté, quoi. Je sais pas, non, on n'a pas été déco, on a eu de la chance parce que ça... Je sais pas si ça a frisé ou quoi chez vous. Bon, on va accéder à la base secrète de Harley Quinn. Ah ta mère. Ah ok, d'accord. Bon là faut faire gaffe, il y en a un qui va être à l'entrée de là où on est. Je vais pas du tout au bon endroit. Que fais-tu? Que fais-tu? Je dois lancer le grappin plus loin pour que le... Oh là 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 là. Mais tu... Pff, oh là là, je fais n'importe quoi. Hey les gars, j'ai trouvé Batman. J'ai trouvé Batman. Hop là. Ah là, ah mais putain, je me fais mais emmerder. Laissez-moi en paix. Ah du coup maintenant c'est bon, on a le code, d'accord, donc on va aller là-bas. Hop là. Donc là il me faut le... Voilà, le piratage. Let's go. Cachette. Meilleur mot de passe. Et là il y en a un juste là. Et maintenant on peut rentrer. Pump room. C'est un nouveau lieu ça. Non? Qui s'est injecté à l'asile qui l'a tué, t'as bien vu dans quel état il était. C'est pas ce qu'on dit. Bah, on t'a menti. C'est Harley qui m'a raconté ça. Elle est bien placée, elle était là. Non, c'est faux. J'étais devant le cinéma avec elle. Batman est sorti en portant le Joker. Vraiment? Je comprends rien pour gueule d'argile. Comment le Joker l'a retourné contre Batman? Faut croire que parfois on voit pas ce qu'on a sous le nez. Hé, attends un peu. Et si c'était gueule d'argile que Batman avait dans les bras? Allez, raconte pas n'importe quoi. C'est le truc le plus débile que j'ai entendu. Tu crois qu'on est dans un film ou quoi? Ouais, mais il y avait deux Jokers. Crois ce que tu veux, mec. Moi, je pense qu'on ignore un tas de trucs. Je le sens. Ok. Ça a freeze, ouais, bah c'est ça, ça a freeze. En fait, c'est ma connexion qui a sauté. Enfin, c'est pas la connexion, je sais pas, il y a un truc qui a sauté. Je pensais que mon PC était planté, ça m'aurait bien cassé les couilles de devoir tout relancer là. Bon, bah du coup, on va s'en occuper. Il y a quoi? Il y a une matraque électrique. Bon, il y a quelques trucs à péter, quoi. On va péter, voilà. Matraque électrique, ça dégage. Putain! Hop, ça, ça dégage. Ah putain, mais c'est pas ça que je voulais. Espèce d'en... Je vois plus rien. Bon, je vais t'abattre, c'est le couteau que je voudrais choper. Ah putain, je regardais pas là. C'est ça que je voulais faire.
c'est vraiment la technique la plus efficace pour buter des mecs rapidement. Regardez ça, boum 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 boum, 4 d'un coup, hop. Allez, ça dégage, ça dégage. Ne cassez pas les couilles. On était là avant avec Robin. Ah oui, oui, on était là. Ok, on a été jusque là, d'accord. Alors, où est-ce qu'il est le truc? Alors, Batman's Line Launcher, ça c'est le, la tyrolienne. Pour accéder à la partie sud de la map, you find a balloon. Genre là, j'ai du mal à comprendre. Attends, là j'ai du mal à comprendre. Là, c'est la pump room, donc c'est là. La salle de pompage, salle de pompage. Ah ouais, non, c'est autre chose. Donc c'est là qu'il faut que j'aille. Ok. Donc faut que je descende. Donc, ah, ok, là j'ai pas le choix, je pense. Ah, mais vous êtes dégueulasse, là, putain que vos mères, là. Ah oui, d'accord, c'est la même salle, concrètement. Donc là. Ok. Là, c'est là où je dois aller, mais on va d'abord aller là. Est-ce que c'était... Ah oui, ça c'était déjà pété quand on est arrivé, non? Je sais plus. Ok. C'est pas là. Ah, ça va être là-bas. Ah, il y a un escalier là. Yes, ça doit être ça. Yes. Ok, ça c'est bon. On est au 22 là, c'est ça? 22, parfait. Club up, winning star, you reach the section that is broken. Ok, donc carrément on va monter à des... Ah ouais, ça doit être fermé, d'accord. En fait la porte, elle devait être fermée, la porte où? Ouais, parce que c'est un autre truc. Donc on continue de grimper, à un moment ça va être pété. Il y avait un reflet bizarre là. Ah, vous avez vu? Il y a des reflets étranges dans le... Je comprends même pas ce qu'il reflète. Regardez, on voit plein de couleurs là. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout. Là, c'est pété et le ballon est juste là. Hop, 23ème, parfait. Ensuite, in the room, on find the tied up cop. Donc un flic, je sais pas comment. Mais il y a un truc avec un flic. Ça va, je te gêne pas, mon gars? Et c'est lui. Si je te tue pas, l'un de mes potes s'en chargera. Vas-y, jette un œil. Tu vois ces fusils de sniper, ça fait mal. Il paraît qu'on peut viser d'infimes parties du corps et les déchiqueter une par une. Oh, allez, je veux pas les surpris. Franchement, regarde. Je suis un des méchants pigés. Et toi, t'es un des gentils. On pourra jamais s'entendre. Ça fonctionne comme ça. On peut rien échanger. Alors, peu importe ce que je te fais, tu sais qu'à la fin, si t'es encore ligoté et que j'ai l'occasion de le faire, je te tuerai. Ouais, je te torturerai peut-être. Je te couperai une oreille, ou même les deux, mais j'aurai ta peau. Corner of the room. Northeast, eastern, donc c'est vers là-bas en fait. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on doit faire? Sauver les agents du GCPD. Les agents. Donc normalement on en a plusieurs. Comment c'est ?
West Side, Sign of Joker. En fait, là, oh, il n'y en a plus que deux à voir. Ok. Alors, regardez, il y en a un là. On va le faire tout de suite. Ok. Et les autres, alors on va aller le choper assez rapidement. On va pas non plus perdre trop de temps. Mais en fait, ils sont tous placés en rond là, c'est trop facile. Ils sont tous en rond autour et ils visent le même gars. C'est super simple du coup. Par contre, ils font un petit relais là. Ah les bâtards. Ah les fils de pute, ça me plaît pas du tout par contre. Plus tu resteras en vie, plus tu vas souffrir. Ça a pas fait de bruit ça? Putain, je pensais que ça allait faire du bruit moi. Je pensais que la double élimination elle faisait du boucan. Vu comment il les a matraqués les types. Ok, alors du coup, là on va là. Et ils ont dit que c'était dans le coin. C'est près de Casier. Là. Je vais remonter là, mais normalement on est à 25. Yes, c'est ça. Donc on a quasi fini. Je réponds juste encore un truc. Hop, du coup là on a fini, on va les buter. Désolé parce que comme je disais, je réponds en même temps à des messages en rapport avec mon, plus ou moins avec mon boulot. Et donc on me pose des questions par rapport à mon boulot, du coup je préfère répondre maintenant parce que sinon on ne sait jamais. Enfin, on sait jamais. Non, c'est juste que ça me fait plaisir de répondre à quelqu'un qui me pose des questions sur mon travail. Ouais, fils de pute là. Allez voilà, nique-toi, boum, ça dégage. Il en a du gras lui. Je suis attaché, Batman. C'est fini. Ça m'étonnerait, imbécile. Ah, Harley avec son voile. Son voile de deuil. Elle est stylée comme ça, je trouve. Les cheveux noirs comme ça en fait, parce qu'avant elle est blonde. Là elle a teint ses cheveux en noir, c'est cool. Dépêchez-vous, crétin. Ah, on va voir ce qui s'est passé avec le type du coup. Ah, énorme. Ah, il s'est juste fait électrocuter. Mais oui, mais en plus il y avait un type par terre au début, je crois, non? Oh, je sais plus. Non, peut-être pas. Ils étaient tous à côté, je crois qu'il y en avait un qui était accroupi ou un truc comme ça. Ok, donc là on a compris ce qui s'est passé avec Batman. Et on revient avec Robin. Oh, c'est merveilleux. Ah! Tim, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez retrouvé? Presque. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout va bien, je suis tout prêt. Je vous tiens au courant. Ah ah! Mais pourquoi tu me lèches le coude? Ah ah ah. Désolé, je lisais plus. Ah ouais, la musique s'est déclenchée, les gardes sont mis en alerte. J'ai rien compris. Salut Xemort. Et bienvenue ici. Et n'hésite pas à t'abonner parce que c'est très gentil. Mais t'arrêtes de me lécher le coude toi? Bah oui mon gros. Hé, hey, laisse-moi tranquille.
The Joker Shrine Room. La Shrine Room du Joker. La Shrine Room. Hop. Ah, arrête. Harley a un plan. Faut mieux pas la contrarier, pas vrai? Ça fait quoi d'être une sale mauviette? Je suis pas une mauviette, je suis les ordres. Ouais, c'est on ça. On écoute un peu, hein, bien sûr. Yes, c'est bien le remaster sur PS4, je te confirme. Oh, le bâtard. On va te laisser ta mort. De quoi je me semelle? Putain, j'ai fait du caca! Ah putain, il a pas de... Ah le bâtard, il a pas de combo pour péter les... Pour péter les boucliers! Ah! Donc en fait, faut juste buter les mecs. Sans réfléchir, aucune réflexion, aucune subtilité. Robin il tabasse. Boum 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 boum. Boum. Hop tac, c'est parti. Bah super, merci pour ton follow, c'est cool. Nous sommes à 77 followers, merveilleux, incroyable. Allez, on passe dans la salle principale. Et la direct. Hop là. En fait, c'est tous les trucs avec Robin, ouais, on peut plus revenir dessus. Alors on a juste fait celui-là ensuite. Ok, donc en fait, après, il y aura autre chose. Ok. Donc, on n'y est pas encore. Ok, hop. Petit truc, là. Oh ! Je l'ai trouvé. Dieu merci. Il va bien. Il est dans une grosse boule. Eh bien, fais-le le sortir. Harley a construit un monument en hommage au Joker. Il m'empêche d'atteindre Batman. Ouais, des bidons de titan. Je vais fouiller la zone pour trouver un moyen de le sauver. Elle est vraiment en train de vriller en fait. Elle a un gros chagrin d'amour et elle fait n'importe quoi en fait. Mode détection, faut que je détecte là-dessus. Bon sang, il est coincé dans ce truc. On dirait qu'il est entré dans un état méditatif. Le temps presse, il n'aura bientôt plus d'air. Ah d'accord, c'est l'air qu'il y a là. Ok. Odin, t'es relou mon gars. Ouais, c'est ça, dégage. Ce panneau de sécurité semble contrôler la statue. Batman va mourir si je ne trouve pas la clé. Il ne me reste plus qu'à trouver Harley Quinn pour la lui demander. Est-ce que tu m'entends, Robin ? Comment ça va ? Tu crois qu'il va mourir ? J'espère bien. J'aime puissant ce que mon Joker a ressenti. C'est pour ça que je vais le faire depuis ma part. Elle est dans un sous-marin, un truc comme ça. Du coup, oui, c'est effectivement le remaster où il y a Batman à Arkham Asylum. Et, ah non, par contre, il n'y a pas Arkham Knight. Arkham Knight n'a pas été remaster, c'est un jeu PS4 de base. Il y a eu une compilation, je crois, avec les Batman Arkham. Mais Arkham Knight n'était pas remaster, c'était le Arkham Knight classique. On peut y aller là, mais attends. T'as trouvé un truc? Non, il y a des saloperies. Batman n'a plus beaucoup de temps. C'était quoi alors le truc à ouvrir? Quelque chose. Il nous faut du fric. C'est la seule façon de se tirer de ce trou. Je crois que le temps que tu... Fouille tout un tas de caisses pour trouver une solution, il te restera presque plus aucune option. On est foutu. Faut tenir bon. On va trouver quelque chose. On peut trouver une arme à vendre, ou la plante secrète d'un super vilain. C'est possible. Trop marrant, qu'est-ce qui va se passer? Pas pour nous. On va crever dans ce trou. Si c'est pas Harley qui déraille et qui nous colle une balle dans la tête, ça sera un autre cinglé.
C'est tout? Ok. Ok, ok, alors attends, là il y a le truc qui est là. Ok, il y a un sniper et je crois qu'il y a un... Ouais, il est juste là, ok. On peut... Attends. Il n'y a aucun moyen de sortir de là, ok. Robin, il est tout sauf discret, quoi. C'est... Alors du coup, on va juste lui péter sa gueule. Aucune discrétion chez Robin. C'est juste, il prend son bouclier et personne ne peut l'atteindre. Alors qu'on pourrait se dire qu'il est peut-être même plus discret que Batman, parce qu'il est censé être quand même un peu plus agile. Passer une bombe coin sur un objet dans l'environnement pour éliminer un ennemi. Oh, putain, la vache. Putain, qu'est-ce que c'est technique, c'est con qu'on s'en serve qu'une fois. Putain, là j'ai appuyé sur le triangle, franchement. Oh, des fois c'est... Ah là là là. Mais quel mauvais, putain, quel mauvais. Je sais pas ce qui se passe. J'ai essayé de faire de la merde ce soir. J'ai essayé de combattre très mal. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de Robin, mais quand même. Voilà, me cassez pas les couilles. Hop, hop, hop. Et surtout, on va péter ça. Nous sommes à 28. Où sont les deux prochains? Alors 29 c'est où? Ah, the angle and the turn of the map. Ok. C'est là, je crois que c'est dans le truc d'après. Oh, vous êtes dégueulasse. Dégueu, dégueu. Hop, ici. Et le dernier. Ok, bon, je verrai. C'est dans cette pièce, mais je verrai pour l'endroit. Mais on est déjà venu ici. Il y avait un truc avec Mr. Freeze ou je sais pas quoi. C'est pas du tout un truc original en fait. Mais j'ai l'impression d'être venu dans un autre jeu. Non, c'était pas du tout là. Je crois que ça ressemble à une zone peut-être d'Ar... Ça ressemble pas à une zone d'Arkham Origins. Ça me rappelle un truc hein. Dans Arkham Origins. Southwest Corner. Donc south-west, c'est vers là. Allez, juste là, là. Boum. Yes, la fête est finie, comme l'album de Halsan. Incroyable. C'est juste pour ça en fait.
Il y a plusieurs thugs. Comment ça se passe? On s'en fout, on veut juste Harley. Observer, je sais plus ce qui se passe exactement parce que il y a beaucoup de types, mais je sais pas si on doit les buter ou pas. En fait, j'ai peur que. Est-ce que ça se trouve ils reviennent à l'infini? C'est possible, hein. Ça arrive souvent dans ce jeu que ça revienne à l'infini comme ça. Ils sont beaucoup, hein. Parce qu'après, Harley elle se déplace, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Faut pas qu'il lève les yeux par contre là. Franchement, je suis juste en face de lui, il a juste à lever un petit peu le regard et c'est bon, je suis devant. Alors elle est passée où Harley en fait? J'ai pas suivi là. Je l'ai pas regardé. Il y a quelqu'un là, c'est quoi? Ah, il y a un flic. Ah mais attends, on doit toujours. Ah non, oui, on doit libérer Batman. Ah ouais, donc en fait, ah bah elle est là Harley. Mais qu'est-ce que tu fous là Harley? Putain, mais il y a trop de monde là. Pourquoi elle tire là-bas? Il y a un truc par terre. Ah mais en fait, ah mais c'est du ah, il y a un sol. Putain, par contre, c'est hardcore là. On est déjà venu ici. Ah, mais c'était avec Batman. Oui, c'était avec Batman. C'est là où il y avait le truc de Vicky Vale. On peut le libérer lui? Non, il est juste planqué. Il y a un truc. C'est quoi qu'il y a noté? Pig, cochon. Harley est là-haut, ok. Le problème, c'est qu'elle est suivie par un type. Et ça, ça me casse un peu les couilles. Parce que du coup, le type, il est un peu collé à ses basques. Et elle va se retourner, elle va faire demi-tour. Et je vais la laisser passer. Par contre, là en bas, il y a encore un gars. Venez par là, les gars. C'est un prétend, où échoué. Mais ce vrai, je serais très énervé. Mais putain, ta mère la pute! Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, moi qui voulais être discret, comme un gland, je suis un gland! Un gland 3000. Putain, elle est passée où cette connasse? Elle continue de faire son aller-retour là. Par contre, si elle remonte là-haut, j'en ai rien à foutre. Moi, je la dégomme. Hein. J'ai comme l'impression que t'es mon otage. Ah putain, ah voilà, bah c'est ça en fait. Il y a des otages. Si on se fait repérer, ils prennent des otages. D'accord, là je comprends. Qu'est-ce que vous faites? Il est là! Mais pourquoi elle l'a pas. Mais je comprends pas là! Pourquoi il l'a pas chopé? Pourquoi le message il s'est pas affiché? Eh, mais il s'est pas. Il y a eu un bug ou quoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé là! Ah putain, mais fils de pute! Franchement, c'était très bizarre là ce qui s'est passé quand même! Hein. Parce que il a pas voulu la choper! Alors est-ce qu'il faut changer de technique? Bon, par contre, vous me cassez les couilles, là, mais vraiment, hein, putain, ça me saoule. Oh là là, mais c'était tellement de la merde ce qui s'est passé. Ah, putain, mais... Ah! Hop là, et dans l'autre côté, tac, allez, nique ta mère. Nique bien ta mère trois fois au moins. Il y a un autre gars là-bas, je sais pas si c'est un nouveau, si c'est encore le même. Bon, on va attendre qu'Harley passe. Et en fonction, on va voir ce qui se passe. Ah non, il y a des mecs qui apparaissent. Ah là, ils sont à l'infini, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Est-ce qu'on peut la choper comme ça? Non. Et là ça marche, tout à l'heure ça a pas marché, c'était trop bizarre.
Il n'y en a que deux. Putain, il y en a trois. Oh là là. Oh là là. Continuez à chercher. Il est là. Voilà le programme. On se distrait si on trouve. Il est à son niveau là. Il y en a des. Il y en a à son niveau. Et après, elle va où? Ils ont pété le truc là, les bâtards. Putain, mais avance, fais un truc là. Nique ta mère aussi, toi. Pas de bêtises, mon gros, hein. Oh putain. Non, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Le petit copain de Batou. Tuez-le. Quoi? Mais putain. Mais putain. Oh là là, mais ce qui s'est passé, c'était la mêle. Putain, mais n'importe quoi, quoi. C'est un truc de ouf. Putain, mais Robin. Bon, ils sont combien, là? C'est compris. Ah, la foule enfoirée. Il n'y en a plus, là, après. Ouais, c'est bon. J'ai fait n'importe quoi. Franchement, j'ai fait plein d'erreurs. Horrible. Lâche-moi. La clé. Tu la trouveras jamais, crétin. Ah bon? Non. C'est à moi. Mais lâche-moi. Comme tu voudras. Ah. Ouais, c'est ça. Autant lui fracasser sa gueule. On va lui exploser la gueule à ce dictateur. On peut lui causer un peu à Harley ou pas? Non. Mais elle est cool Harley dans celui-là, j'aime bien. J'aime bien son look. Hop, on a eu les 30 hein. Ouais, en fait on a plus besoin de s'emmerder. Bon, on va aller voir, on va retrouver Batman. On a le truc d'Harley Quinn. On se casse et puis on va finir là-dessus hein. Ça va être la fin là. Il y a des DLC, tiens, est-ce que... allons voir les DLC, là. Enfin, les trophées, pardon. Les trophées... Pack 4, putain, pack 4 ou moins, on en a quasiment tout eu. On s'emmerde pas avec les trophées, on les fait pas. Oui, c'est les médailles qui manquent. Pack Robin, pack Nightwing, on s'en fout. Harley Quinn Revenge, il manque quoi? Rira bien, qui râle, ça, c'est faut le finir. Coup de bouclier sur 5 voyous, on n'a pas fait. En tant que Robin, ouais, c'est les trucs de gadgets, de machin, on s'en fout un petit peu. C'est pas très grave. Putain, il y a mon truc qui s'emballe, là. C'est pas là? Merde. Attends, faut aller où? Attends, si, c'est bien là. Ah non, oui, faut passer en dessous. J'ai mal au dos de ouf. Ah, j'ai qu'une envie là, c'est de qu'on y arrive, qu'on stoppe et que je puisse me reposer. Ouh là là, putain, avec Robin. Tout ça? Ouh là 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 là. Oh mais non, mais j'étais en train de combattre là. Je triche un petit peu, j'ai un peu forcé vu que j'ai plein de vie. Je veux juste leur niquer un peu la gueule là. Bah pourquoi il m'a rien fait? Je vais juste leur mettre des patates un peu là pour les calmer 30 secondes là, parce que c'est bon. Hein. Voilà, on recommence. Il y a quand même que ça de vrai, hein. Mettre des grosses torgnoles là. Ça les dégomme un petit peu là.
Voilà, comme ça, moi, on a niqué le titan. Bah, d'où il sort, lui? Oh là 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 là. Hey, par contre, Robin, ça... Oh là là, qu'est-ce que je déteste. Oh là là, j'ai... Mais... Mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais réussir à crever, hein. Je vais y arriver. Ah mais Robin il éclate les... Ah non non, il a rien éclaté du tout. J'ai réussi, c'est bon. Putain, j'ai eu chaud, hein. C'était pas si facile, hein. J'ai fait un peu de la merde, hein, faut le reconnaître. Mais comme on peut pas éclater les armes, bah j'ai pas l'habitude. Allez, libérer Batman. Plein de... Elle est bien texturée, ça se voit. Ah mais attends, Harley Quinn, elle est pas assez libérée. Je m'occupe des bombes. Quoi, des bombes? Des bombes. Il y en a beaucoup. C'est vraiment histoire de rallonger la durée de vie. Batmore. Le fonctionnement de cette bombe m'est familier. Je dois la désamorcer pour l'examiner. Voilà comment désamorcer une bombe avec Batman. Ton poing dedans t'arrache tout. Les bombes ont été faites à l'aide d'explosifs volés dans la réserve du GCPD la semaine dernière. Harley Quinn n'a pas changé la fréquence de détonation. Je vais calibrer le masque pour localiser les autres objets réglés sur cette fréquence. Oh là là, va falloir suivre le truc. Finalement, on aura mis quand même un peu de temps. Hein. Alors attendez, 30 secondes, je veux juste répondre encore à un truc. J'arrive. Hop, pardon. Du coup, en fait, ah oui, non, mais il y a juste à suivre le truc. Ah oui, oh putain, il y a du temps, merde! Bon, ça allait beaucoup plus vite d'un coup. Là, le truc continue de se dérouler, donc tu vas me casser les couilles longtemps. Ah, on... Oh le bâtard. Franchement, lui, ouais, fallait le voir quand même. Hein. Je pense que tout le monde s'est fait avoir à ce truc-là. Ah, fils de pute, quoi.
Meurrier. ER. Meurtrier. Putain, meurrier, n'importe quoi. Je comprenais pas le délire. Hop là, allez, il y en a un autre. Hop, c'est par là, très bien. J'ai toujours voulu t'affronter, Batman. Va t'exploser, Batman. J'ai fait du caca. C'est par là. Non, te ferme pas, PD. Putain, elle est de l'autre côté, comment j'y vais la putain de merde. Par là. Comment j'y vais? Comment j'y vais? Je sais pas comment y aller, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, c'est pas ça la bombe. Comment je fais pour atteindre ce truc là? Je peux pas. Attends, mais j'ai rien pour... Mais attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est pas possible, t'en pars en dessous peut-être? Mais non, mais pas du tout, mais attends, il faut que je fasse quoi? Comment j'y vais? Attends, je sais... Comment je vais là-haut? Mais attends... Mais j'ai un problème ou quoi? On peut pas s'accrocher? Comment je pète le mur? Si j'ai pas... Je peux pas accéder avec le gel explosif? Ah putain, si. Il faut que je touche à ça. Putain, je l'avais pas vu. Putain, je me disais aussi... Putain, je comprenais pas, là. Je réfléchissais comme un porc, là. Putain, chaud. Allez, vas-y, réponds, vite. Joker éternel. C'est pas un comics ça, Joker Eternal? Ah non, c'est Batman Eternal qui est un comics. Et voilà, putain, quel beau gosse! On a le tel du Joker. C'est où? Oh là là. Bon. Putain, c'était plus long que prévu, hein. Normalement, en une heure, tu le torches, le truc. Là, c'est juste moi qui ai fait de la merde. Alors, en fait, il faut aller à droite. Il va y avoir encore plein d'ennemis ici. Ah, pas d'ennemis, ils en ont pas profité pour remettre un petit combat, ça m'étonne. Parce qu'il y a un gros combat qui va nous attendre après, je pense. Au final, on a bien fait de pas lire de comics, on n'aurait pas fini sinon. Putain. Je les lirai dans mon coin, tout seul, sans vous. Quoi? Tu croyais vraiment que ce serait si facile? Eh bien, essaie encore, crétin! Wonderbot. Ah, du coup, ils ont pas de... Comme c'est des robots, ils sont moins...
prévisible. Par contre, ça va être chaud là. Si en plus elle me tire dessus, cette connasse. Ah, en fait, il n'y a pas le choix. Ils sont tellement résistants que il faut leur mettre des. Faut leur mettre des grosses patates et les éclater avec le combo. Sinon je suis pas sûr que ça marche bien. Ah si, ça marche quand même. Ça va, franchement. Ça va, c'est pas très compliqué, mais faut effectivement faut pas. Putain, il m'a eu quand même cette connasse. Effectivement, faut pas mettre de raclée en fait, faut y aller avec normaux, ça passe bien. Mais putain, je commence à avoir une allergie ou à l'œil là, ça te nique. Ah putain. Donne-moi ça. Elle est un peu folle Harley là. Enfin elle pète un câble. C'est pas ça qui va t'aider. Elle est moins touchante que dans la série animée ou les trucs comme ça. Là elle est juste un peu timbrée quoi. Enfin elle est... On sent que la mort du Joker, ça l'a vraiment fait briller. Beau gosse, ce Batman. Tu aurais dû me laisser mourir ici. Comme ça, j'aurais pu être avec lui, Monsieur J. La ferme. Où est Robin? Je le croyais avec vous. Ça fait mal, pas vrai? Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, tu Super Jim. Ah non, ce sera Robin. Dommage, ça aurait été cool ce soit Jim Gordon qui le fasse. Alors, je te manquais ? Où sont les flics ? Ils vont bien. J'ai fini ici. Hey, fiston, est-ce qu'il va bien ? Ouais, bien sûr. Il va bien. Et là, Jim Gordon, il le reconnaît pas, quoi. Le mec, il a juste un petit masque comme ça, il le voit vraiment en gros plan. En face à face, et il la reconnaît pas, c'est n'importe quoi. Harley Quinn se venge. Harley Quinn se venge. Bon, allez, on dégage ça. Putain, j'ai perdu mon plaid. Hop. Bon. Pourquoi il y a marqué nouveau? Ah, ça redémarre comme si on l'avait jamais fait. Ça met rien en stats. Bah si, Harley Quinn se venge, on a tout. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? On a même pas eu 1%, un petit pourcent en plus. Quelle bande de bâtards. Ah ouais, d'accord. Après, il est marié à Barbara et il met plus la capuche. Le mec, il le reconnaît pas. C'est vrai que c'est n'importe quoi.
putain, j'ai... Même à la voix, tu vois, enfin, c'est évident que t'es obligé de le reconnaître. Quand bien même il a un masque et tout, quand il est aussi proche de... Mais c'est Tim Drake qui se marie avec Barbara ? C'est pas... Putain, mais... C'est pas Tim Drake, c'est... Après, là, Tim Drake, enfin, dans cet univers-là, du coup, c'est Tim Drake qui a l'air d'être proche de Batgirl, et pas Nightwing, pour une fois. Alors que normalement, c'est censé être Dick Grayson qui est très proche de Batgirl. Mais évidemment, dans cet univers, ce n'est pas le cas. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Nous avons enfin fini Arkham City. Wouh! C'était bien, c'était long. Mais finalement, pas si long que ça quand on compare aux autres. Du coup. Moi, je vais lire les comics qui sont liés à ça. Il y a un bouquin, il y a plein de trucs. Mais il y a trop de choses. Et surtout qu'il y a un livre et tout, j'arriverai jamais à le lire. Je le lirai peut-être un autre jour, c'est pas très très grave. Oh putain, il y a... Ok, d'accord. Alors la prochaine fois, ça va être très tendu. Parce que... Alors, il faudra... Il y aura le Harley Quinn Story Pack. Et après... Le Arkham VR. Je pense que ça, les deux, ça tient la soirée. Le problème, c'est que le Arkham VR, ça a demandé de... Putain, va falloir que j'anticipe le truc, parce que sinon, si je vais m'y prendre au dernier moment, ça va être la merde. Va falloir que ce week-end, je mette tout en place, parce que faut que je sorte le casque, que je branche tout, que je vois si ça marche, et surtout que je me place. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas du tout comment je vais faire pour filmer, pour tout ça, j'en sais rien. Ça va être horrible. On verra bien, hein. Puis je regarderai la VOD. Mais je pense qu'on fera ça. Du coup, la semaine prochaine, on entame, enfin, on fait Arkham Knight Story, Harley Quinn Story Pack. Et potentiellement, si ça fonctionne, Arkham VR. Et comme ça, dans deux semaines, on commencera Arkham Knight. Ce qui est pas mal. Et moi, j'aurais lu à peu près tous les comics. Parce que la plupart des comics. En fait, il n'y a pas beaucoup de comics. La plupart des autres, ils sont pas vraiment canon, en fait. Ils changent un peu l'histoire. Donc il n'y en a plus tant que ça à lire. Sauf si on veut vraiment tout lire. Mais le reste n'est plus canon. Ça prend le pas sur le jeu, en fait, au bout d'un moment, les comics. Ce qui est canon, c'est presque fini. Du coup, voilà. Donc là on est quand exactement? Harley Quinn's Revenge, donc j'ai dit, c'était le 5. Ah oui, et les parties avec Batman. La seconde partie avec Batman, là. Enfin, la seconde partie du DLC où on jouait Batman pour la première fois, c'était 2 jours avant, donc c'était le 3 janvier. Et là, il va se passer quelques temps, parce que la suite du jeu, ce sera en octobre, dans le Harley Quinn Story Pack de Arkham Knight. Voilà. Bon bah voilà, on va se couper là, tranquillou. Tranquillou. Un peu plus court ce soir, mais... Ouais, on verra quand on sera dans Arkham Knight pour voir tout ça. On quitte un peu plus tôt, mais ça fait pas plus mal. Oh tiens, il y a Callahan qui... Ils jouent à Yokai, visiblement. Alex et Callahan, des amis. Je les connais très très bien. Et c'est du jeu de société. Ils sont très bien. Enfin voilà, c'est super cool. N'hésitez pas à leur faire un petit coucou, parce que ils sont très sympas. Du coup, moi j'y vais, hein. Je vais passer juste dire bonjour sur le live de Callahan, et puis après, bah, je vais aller